dans cette trompe là à continuer nous connaissons nous arrivons dans épisode 3 aujourd'hui hein. nous arrivons dans le troisième jour pour nous connaître qui ça a passé sous dossier destitution dans notre trompe là. Moi t'ai déjà dit nous moi t'ai fait nous connaître que c'est pas un dossier qui est facile du tout parce que j'en nous connaissons mes chambres des représentants dit en majorité républicain et c'est pas tout républicain qui pourrait accepter bah un mandat pour destitution dans notre Trump comme ça. Donc bon nous connaissons dans notre Trump lui-même de toute façon à le dossier ça sorti, c'est sûr que il va essayer garder qui ça qui arrivé qui fait en conversation comme ça t'est sorti. Côté fit la sortie, et bien monsieur t'as assemblé, t'as commencé pointer du doigt diplomate ukrainienne qui c'est Marie Yovanovitch. Marie Yovanovitch, il t'a fait connaître que c'est lui-même qui t'est bail. C'est lui-même, c'est à cause de lui que tout bail est arrivé. Et bien plusieurs diplomates, on connaît que monsieur Trump président Trump était voyant un tweet à l'encontre de Yovanovitch et ben plusieurs diplomates yo dit que ben yo pas d'accord ça yo prêt pour yo porter support yo by Marie Yovanovitch. Entre-temps lui-même CNN fait nous connaît que maison chambre des représentants chambre des démocrates là yo rencontré avec Nancy Pelosi pour yo ka montrer en fait pour yo ka mettre ensemble une stratégie pour processus destitution hein. C'est parce que plusieurs nan yo senti que plusieurs nan yo ont été gens réticents. Yo pa vle rive jusqu'à causer destitution galère ta vle utiliser causer ça plutôt comme un levier politique comme si on sorte de dossier contre ce Donald Trump pour qu'à négocier deux trois autres bagailles deux trois autres dossiers mais pas ta même peut-être rive juste dans destitution donc c'est tout causer ça yo c'est manque d'unité ça qui fait que donc ça peut le profiter donc on est les grandes divisions donc grand monde qui a pris mais donc tout plus gain division c'est plus dossier à venir compliqué et jodi en là dans notre Trump lui-même il fait un tweet nous on est pas manqué il dit président Ukraine président Ukraine said that he was not pressured by me. Président Ukraine a dit que li, moi pas de balle aucune pression et moi pas de fait un rien qui mal. OK? Ou pas qu'à joindre un meilleur testament que ça, ou pas qu'à joindre un meilleur témoignage que ça. Et puis tandis que vice-président Biden est petit li yo même yo t'a prend yo t'a yo t'a retiré des millions de dollars pour nan main président ukrainien parce que yo t'a voulu bal président ukrainien en pile pression et puis yo récolté tout en pile millions depuis la Chine et puis monsieur fini monsieur dou bad donc monsieur a lancé attaque nous connaît président Trump parole en bouche donc monsieur a lancé attaque là attaque sous attaque gon l'autre fanatique là qui dit que fake media said Trump pressured Ukraine president 8 times in the call after the transcript release we learned Trump only mentioned Biden once for 21 seconds in a 30 minute call. OK. Les mêmes yo dit que fake media yo dit que président Trump a mandé président fait pression 8 fois dans appel là tandis que là yo montre que c'est seulement une seule fois dans transcript là que yo lagué là jodi hein yo montre que c'est seulement une seule fois que président Trump cite nom Biden pendant 21 secondes non appel de 30 minutes donc c'est pour montrer que en fait définir les dire que this whole thing is a fraud by the Dems. OK, so toute bagaille ça sont fraud c'est son coup monté
sont commentés de démocratio et nous là Nelson Mandela dit que c'est same shit different day lie deny. Donc nous connaissons que fanatique Trump là pas blaguer, donc ils ont même toujours là à blaguer l'autre nouvelle pour contrecarrer attaque démocratio. Donald Jr. Trump là on l'autre site en fait on l'autre compte Twitter blaguer 2-3 parce que nous connaissons Fox, c'est son média qui est plus ou moins pour Trump. Et bien, je dis là, il y a plusieurs statements, en plusieurs paroles à parler. Nous pourrons commencer à entendre. Schiff performance is amazing tonight. I mean, look, this is a man who, as the president, has zero credibility. I mean, he is, I mean, just outright lied. He said he had collusion. He said the narratives of the Schiff lie. I mean, there could be a long list of the Schiff lies. And now add bad acting to it. And also deceiving the public. Really, this is where we're going with this? You know, I did see something, Lou, and it was really concerning. There may have been found something, if you thought Adam Schiff, median income is up. Maybe that's what they want to impeach the president for, doing a good job. That's right. Maybe that is what, they're so desperate because they hate. Lou Dobbs, monsieur, lui-même, lui parle pour qui ça, il a sorti dossier de collusion, dossier de corruption, toutes sortes de dossiers, et puis les paroles la sorti, les transcripts sortis, le appel le sorti, il voit que pas grand rien vraiment, et c'est vraiment son monsieur dit son véritable farce, son véritable cirque qu'a joué là. Il dit que c'est peut-être ça, il a besoin d'instituer le président parce que c'était le président tellement à fond bon job, c'est pour ça il a besoin d'instituer président dans émission Lou Dobbs à Soya. Nous connaissons que son émission qui pro Trump, et puis monsieur lui-même l'autre information n'attendait to get in there and show what's really going on. What we're seeing is, in my opinion, this coup attempt that started with the Russian investigation. It's continuing on now, and there is nothing truthful about what Adam Schiff said today. Donc Andy Biggs, qui est représentant à Arizona, lui-même dit que coup d'état, ça, son coup d'état qui commençait depuis le Trump prend pouvoir, et c'est même pas là qu'a continué, pas grand rien qui crédible. Dans attaque ça aussi des attaques que nous habitués ouais déjà. In his opening remarks in that hearing, they were outrageous and they were designed to mislead this public. And you know, it is outrageous what's happening to the president of the United States with these people who won't give it up. And the president. Monsieur dit c'est vraiment son bail qui enragé pour les gens monsieur pas voulu larguer et puis il voulait prêt pour faire n'importe bagarre pour induire public là en erreur. Monsieur dit que c'est vraiment un bail qui fait mon nerve, qui fait mon sortir de nerf pour les gens monsieur a essayé discréditer président. Is setting new standards for any president in achievement, in policy, and results. Our president's a fighter. I've got to say, Lou, to the whole country, I'm grateful that the House Freedom Caucus is going to be led by a great fighter, and Andy Biggs. He is going to ensure that we continue. Donc c'est comme ça, on est en pile fait avouer, président son great fighter, président son great leader, etc. etc. Nous grateful, nous la première c'est bon Dieu, nous avons un président comme ça. Et vraiment, et dans l'émission ça, en pile support venir pour président ça. Nous connaissons son campagne, nous connaissons américain très visuel, donc la très difficile, j'aime dire nous, hein, au fur et à mesure que jour va avancer, la très difficile. Pour bagay sa yo, en fait pour bagay sa abouti vraiment à destitution que y a demandé. Nous connaissons que et des fois le y a parlé que vraiment y a pas voulu Trump, et même dans média canadien n'a pas gardé en parole entendre en parole qui t'a dit sous monsieur. Et vraiment bon, nous connaissons bon monsieur cherche, on j'en cherche tous ces gens l'a parlé, mais c'est vrai que grand pile parole, grand pile parole qui fait. Et les monsieur parler de fake media, vraiment des fois mon yo voyait monter n'importe qui gens entendez ça monsieur t'a dit lui-même. Il y a un comportement tellement fou que peut-être quelque chose en jeu. La fois j'ai posé, je le soupçonne de prendre de la cocaïne parce que pendant le débat de dimanche, c'était la même chose que le premier débat. Il était toujours
Ça, c'est des gens qui prennent de la cocaïne qui font ça à répétition. Et je veux dire, il y a un comportement tellement fou qu'il y a peut-être quelque chose en jeu. Son bail qui est vraiment enragé, son bail qui est vraiment incroyable. Pour nos médias canadiens, et puis nous, ouais, on représentant, en fait, on analyste politique, il était carrément, monsieur dit que le président Trump, qu'on prend cocaïne, son bail qui est inouï. Donc, c'est vrai que il y a des médias qui parlent, ouais, monsieur. Bon, mais monsieur, quand si j'en cherchais tout, il est tellement à attaquer le monde. Et c'est vrai que des fois, faut nous faire attention à ça, on série de monde, on dit. Donc, Frédéric Gagnon lui-même, monsieur, dit que affaire Ukraine, non, il prend l'autre tournant là, parce que le conseil de sondage qui part en faveur Trump du tout. Et monsieur, bah, résultat sans sondage. Donc, c'est sondage qui m'a demandé, est-ce que vous t'avez, par exemple, est-ce que vous pensez que Trump t'a supposé destituer? Quelqu'un qui dit oui à 47%, quelqu'un qui est opposant dit 39%, non, deuxième pôle. Ça support monde qui en faveur c'est 49% et puis la monde qui compte c'est 46%, en l'autre 44-41 et puis gon dernier à même yo égal égo national j'en qu'on dit 43-43. Donc vraiment c'est pas bagaille non pas facile, non pas cap dire que Trump nan gros problème, mais j'en te dit l'enfant monsieur marcher sous des œufs. Parce que et bagaille pas du tout facile pour monsieur nan cause d'institution ça, et surtout que Nancy Pelosi lui-même avec démocrate a décidé aller de l'avant dans procédure là, il pas vraiment prêt pour camper là. Et dans l'autre dossier qui sorti aujourd'hui, hein, c'est que son dossier de collusion que lié. En fait, collusion, c'est qui ça? Laisser le président essayer mettre opposition pour information pas sorti dehors. Donc, conversation ça entre président Trump avec président ukrainien, non, il a accusé président Trump de que il devait garder secret avec président ukrainien. Donc, un nouveau jeudi, en fait hier. Hier soir, bientôt, un nouveau document qui sorti et puis qui montrait que, en fait, il y a un document 26 septembre aujourd'hui, hein, et puis il montrait ce qu'on question de ingérence dans l'Ukraine, dans le présidentiel américain de 2020, ok. Et puis, monsieur, t'as essayé vraiment pour que fongeant pour que appelle ça rete secret. Donc ça c'est pas un bagage qui que yo accepté du tout. Donc nous pas connait si nouveau information ça ka bay problème à président Trump. Mais de toute façon président Trump nous connait à soir là après que dernier information ça a fini sorti, et bien à soir là nous avons déjà sous Fox en yo lagué, et puis monsieur lui-même l'a multiplié tweet after tweet, ok. Donc rappelons ça, monsieur dit encore, et ça gagne à peu près une heure de temps, monsieur dit que président ukrainien dit moi pas de balle, aucune pression, nous pas qu'à gagner un meilleur témoignage que ça. Tandis que Joe Biden a petit yo impliqué dans plusieurs dossiers de millions avec Ukraine et avec la Chine. Donc n'a quitté avec un dernier bon petit reportage qui résume tout ça qui passé jeudi, hein. Nous pourrons tendre ensemble avec confrère nous de Radio Canada. Maison Blanche vient de publier ce document. C'est pas le résumé de l'appel, c'est toute la plainte qui avait été préparée par ce préposé des renseignements. Tout ça, naturellement, ça tourne autour de l'appel entre Donald Trump et le président de l'Ukraine, Frédéric Arnault, à Washington. Bon, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ce document?
Alors bien sûr, tout ceci confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que M. Trump a bel et bien demandé une interférence étrangère pour pouvoir l'aider lui-même dans la course à la présidence en 2020, en demandant donc que l'Ukraine fasse une enquête sur Joe Biden et ses possibles malversations. En tout cas, ce sont des malversations qui n'ont jamais été prouvées, il faut le rappeler. Ce qu'on apprend, et c'est peut-être la chose la plus dommageable dans ces 9 pages rédigées donc par ce lanceur d'alerte, par cette plainte, c'est que dans le fond, habituellement, lorsqu'il y a un enregistrement de conversation téléphonique entre le président et un autre président d'un pays étranger, en général, c'est enregistré sur un système informatique qui peut ensuite être, on va dire, transféré à des membres du cabinet, par exemple, de l'administration. Or, dans ce cas-ci, et c'est probablement ce qui risque de faire mal au camp Trump aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, selon ce lanceur d'alerte, un effort délibéré de transférer cette importante information de la conversation téléphonique sur un autre système informatique. Donc on a voulu en quelque sorte sceller le contenu de l'appel et empêcher que certaines personnes puissent y avoir accès. Alors ici aux États-Unis, on entend beaucoup depuis quelques minutes maintenant le mot cover-up, donc on a voulu camoufler, on a voulu dissimuler. Pour certains, ça pourrait rappeler par exemple ce qui est arrivé avec le président Nixon, mais pour l'instant, c'est ce qui sort. Alors pourquoi l'administration de la Maison-Blanche a décidé effectivement de déplacer ça et de restreindre l'accès au véritable contenu de cette conversation téléphonique? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'on a su depuis hier, c'est que la retranscription n'était qu'une retranscription partielle de ce qui avait été fait dans cette conversation téléphonique. Mais là, donc, c'était l'ensemble de la conversation téléphonique. Alors, évidemment, c'est pour ça que la comparution dans les prochaines minutes du directeur de l'intelligence nationale est d'autant plus intéressante, c'est qu'on va savoir un petit peu, mais pourquoi est-ce que vous-même, vous avez insisté justement devant la gravité de la teneur des propos qui étaient dans cette conversation téléphonique, de ne pas le rendre public comme c'était le cas auprès du Congrès une fois que les 7 jours se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte. Alors ça, c'est la question qui va probablement tenir le haut du bureau ce matin. Et puis surtout, sur quel ordre avez-vous agi? Est-ce que c'est remonté jusqu'au bureau du président? Est-ce que c'est le président qui vous a personnellement instruit de ne pas la divulguer et en plus de la mettre éventuellement sur un autre serveur informatique? Donc ça, c'est ce qui ressort beaucoup, Marc-André, ce matin, de ces 9 pages de la plainte du lanceur d'alerte. Ouais, c'est assez explosif. Hein? Mais ce directeur des services, là, lui, il doit répondre aux questions ce matin là, des démocrates. Il doit être en furie. Ben, probablement, et puis surtout aussi, il a dû bien se préparer, parce que les 24 derniers ans, vraiment, ont beaucoup changé la donne sur ce dossier de la possible destitution, en tout cas de la procédure de destitution qui pourrait débuter, parce que là, il y a vraiment, on prouve encore une fois que M. Trump a bel et bien sollicité l'interférence étrangère dans la course à la présidence de 2020, en demandant donc cette enquête sur le clan Biden, mais surtout là, on se rend compte qu'effectivement, non seulement ça, mais en plus, ils ont voulu cacher ça, ils ont voulu camoufler, le dissimuler. Alors, donc cette plainte, dans le fond, tout se précipite un peu parce que, vu la pression des dernières 24 heures, ils n'avaient plus le choix, il fallait qu'ils la rendent publique. Et donc ça, c'est sur la table devant le comité de la Chambre des représentants ce matin. Et on peut dire que ça risque d'être assez intéressant, les propos qui vont être débattus tant du côté démocrate que du côté, évidemment, du directeur de l'intelligence nationale qui va devoir se défendre et défendre son administration aussi. Frédéric, je vais vous dire, ça va être un peu plus que assez intéressant. Ça va être assez, ça risque d'être très explosif. Mais voilà. Je vous comprends bien. Merci. Donc, nous, ouais, ça, Frédéric Arnaud, qui est représentant Radio-Canada, dit que, eh bien, il expliquait nous exactement, clairement, qui j'en sais passé. Donc, les deux présidents a parlé, le président américain avec l'autre président a parlé, ces procédures-là, pour que pas gagner secret. Donc, nous, jusqu'à bon bagaille arrivé, jusqu'à bon que n'a traité, en fait, on sait de dossiers, le son pays qui est normal. Donc, le président, les deux présidents a parlé, entière conversation, hein, ok, il est supposé être disponible pour Sénat. Qu'attendez n'importe le livré. Donc, pour ça, ils ont fait ça, c'est pour ne pas gagner aucun problème qui passait, c'est pour ne pas gagner un lien, aucun compte mal taillé qui a fait sous dos peuple là ou bien sous dos pays là, dans dos pays là. Donc, le président parlait avec l'autre président, c'est pas vraiment avec tout le monde, mais là, c'est deux présidents qui ont parlé, entière conversation, ils ont mis sur un fichier. Ok, qui transcrit, mais dans le cas conversation ça
que président Trump te gagne avec Volodymyr Zelensky, eh bien, yo te essayé mettre sur un autre fichier. C'est concours loyal dans fichier normal appel yo ou pas t'a joindre appel ça. OK? Donc c'est pour ça l'idée que aux États-Unis, il y a parlé de cover up jodi hein, c'est comme s'il y a fait ses camouflages, son dossier qui gon question de camouflage, ça fait me t'a parler nous de collusion tout à l'heure. Hein? OK? Donc l'aime t'a dit que yo accusé monsieur Jounen jodi hein, que il t'a aimé, il t'a voulu garder secret, il t'a voulu mettre information ça secret, mais c'est preuve ça me déjà ba nous, c'est parce que monsieur Tévelé, monsieur en fait, yo t'a insisté pour yo pour que yo mette conversation ça dans l'autre fichier qui pas accessible à la chambre des représentants qui pas accessible à monde qui gain droit attendre conversation. Alors c'est parti ça qui capable peut-être faire mal à président Trump, parce que si vous regardez, si nous songez bien dans le dossier président Nixon, son bagage comme ça, son information comme ça qui supposé public, en fait pas public, mais qui supposé adjoindre, qui supposé disponible à qui de droit. Donc c'est moi même, donc et information ça pas disponible. Donc c'est ça fait que Nixon était accusé et puis il était obligé mais t'es quel autre bagage tout, c'est parce que information que Nixon t'a caché, c'était information qui t'a vraiment discriminé. Donc c'est ça fait le tap caché, donc il était obligé pour t'éviter en honte nationale, il était obligé démissionner. Mais là c'est presque même bagaille là, sauf que appel là Jean nous dit non, c'est vraiment pendant 21 secondes seulement que monsieur parlait de Joe Biden, et appel a duré 30 minutes, mais pendant 21 secondes seulement il était parlé de Joe Biden. C'est pas vraiment un appel qui était concerné Joe Biden vraiment, c'est comme si son mention de Joe Biden que monsieur t'ai fait. Et donc de toute façon directeur l'enseignement national là, il gagne pour le paraître et puis pour l'expliquer pour qui ça il t'a essayé, ça fait depuis 7 jours enquête là t'est sorti, et pour qui ça c'est jodi a seulement que yo lagué et par sa transcription dehors. Est-ce que c'est Donald Trump qui était fait ça, ou bien est-ce que c'est propre tête pâle il était décidé pour le faire ça. Donc son dossier à suivre, et son dossier que nous supposé nous pas suivre, son dossier très 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 compliqué, et n'a regardé pour nous qui bon ça va arriver. N'a suivre, et demain n'a tourner avec un autre épisode.